Un élève studieux et discret, voilà comment apparaît Romani, 15 ans, sur les bancs du collège. Pourtant, cet adolescent, originaire de Géorgie, est un champion, champion de boxe anglaise. Vendredi, il part concourir pour le titre de champion de France et ses professeurs viennent tout juste de l'apprendre. C'est une petite surprise, en fait, aujourd'hui. On vient d'apprendre, effectivement, qu'il allait disputer le championnat de France, mais c'est pas un élève qui en parle beaucoup en classe, en fait. On a appris ça en réunion par un professeur, un petit peu par hasard. Et c'est vrai qu'on est très fiers, en fait, de savoir qu'il allait être, disputer, en tout cas, ce championnat de France. Romani avait tout juste 6 ans lorsqu'il a chaussé ses premiers gants. Aujourd'hui, il est inscrit au club de boxe de Rodez, le Hurricane Boxing Club, où il s'entraîne 3 fois par semaine. Et quand ce n'est pas au club, c'est dans sa chambre qu'il s'échauffe, à raison de 12 heures par semaine. Mon père il m'a mis dans la boxe et après, ça m'a plu et du coup j'ai continué. J'ai fait des championnats de Géorgie. Après, en France, j'ai fait des championnats régionaux, interrégionaux, et là, je suis qualifié pour le championnat de France. Des médailles, des coupes, des prix, il en a eu des dizaines en 9 ans. Vendredi, près d'Angers, il disputera les championnats de France de boxe anglaise, catégorie cadet moins de 60 kilos, et le titre, il y croit. Je suis tout le temps vers mon adversaire, tout le temps en attaque, et du coup, ça me permet de gagner. Et je suis plus rapide que les autres au niveau des bras. Invaincu après 15 combats, jamais KO, Romani a toutes les chances de remporter le titre envié de champion de France, le physique, mais aussi le mental.